matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message, pour le message de la voix des âmes, n'est-ce pas, de ce mardi 2 mai 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, mets de la lumière dans ta vie. Sois optimiste, lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Alors aujourd'hui, j'ai pigé souffrance physique. Vous êtes peut-être, certains d'entre vous, dans une souffrance physique. Et votre âme, elle vient vous dire, tu n'écoutes pas ton corps physique. Non, tu ne l'écoutes pas. Tu demandes à ton corps physique de te suivre. Et tu n'écoutes pas son propre rythme. À ne pas l'écouter, n'est-ce pas ? Tu ne m'écoutes pas non plus. Ton corps physique peut essayer de s'exprimer par des tensions ou des ressentis désagréables. Alors ici, le but n'est pas de t'importuner, pas du tout. Le but est que tu puisses l'écouter. C'est ton véhicule sur terre ici. Prends le temps d'écouter ton corps. Prends conscience des zones sensibles et comprends la signification des gènes que tu peux ressentir. Et c'est ainsi que ça va te permettre d'être dans une nouvelle connexion avec ton véhicule de vie ici, terrestre. Une partie de toi cherche à fuir quelque chose en te dispersant dans ta vie extérieure. Qu'est-ce qui fait ? Qu'est-ce qui te fait fuir ? Qu'est-ce qui fait fuir ? Mais ton corps est le siège de ton âme, Tu le sais. Alors prends soin de toi. Accorde-toi de la douceur. Écoute-nous pour que nous puissions de nouveau former une équipe vaillante et solidaire. Message de tes guides. Tu es dans une énergie d'ancrage qui est très importante. En ce moment, tu es en train de créer de nouvelles bases extérieures. Et cela te demande une très grande organisation. On t'invite à écouter ton corps pour créer un équilibre entre ton monde intérieur et ton monde extérieur. Il faut que tu saches que les 2 mois qui arrivent vont être très importants pour que tu puisses créer de nouvelles bases. Sache-le. Alors, on t'invite à prendre le temps de t'ancrer. Tu peux le faire par de la méditation en pleine conscience, par la marche aussi méditative, des activités manuelles ou en étant dans l'instant présent. Tu peux aussi écrire tout ce que tu souhaites réaliser, pourquoi pas, et les étapes à suivre pour construire ce qui est important pour toi. En tous les cas, les 2 mois qui arrivent vont être riches de signes et d'événements importants. Nous sommes à tes côtés et nous t'envoyons de nombreux signes sous différentes formes. Ce sont surtout des signes extérieurs car nous t'invitons à construire. Alors, fais confiance à tout ce que tu vois et tout ce qui se déroule autour de toi. Sache que nous sommes bien là auprès de toi. Message de l'entité. Mon âme s'était déconnectée de mon corps physique et la souffrance était là. Aujourd'hui, je suis libérée.
et je ne la ressens plus. Je suis dans l'amour inconditionnel et cela est juste magnifique, merveilleux. Mais la douleur a longtemps été une fidèle compagne de route. Je ne pensais pas que je pouvais créer une autre relation avec elle. Alors, plus le temps passait, eh bien, plus je la ressentais au plus profond de ma chair. Aujourd'hui, je veux vraiment que tu saches que je me sens beaucoup mieux. Et je souhaite que toi aussi, tu sois dans une énergie nouvelle avec ton corps physique. Je te manifeste souvent ma présence, mais dans les prochains jours, sois bien attentif, attentive, et bien à ta main gauche. Je vais me manifester de cette façon-là. Que ce soit par une forme de chaleur, une caresse, dépicotement. Je suis là pour que tu puisses créer une nouvelle union avec toi-même, pour que la douleur ne soit plus ta conseillère et pour ne plus que tu avances par la force. Je souhaite vraiment que la douceur soit ta plus grande alliée. Tu es capable de le faire, hein? Je te le dis. Je suis avec toi pour l'accomplir. Quel beau message de l'oracle de la voix des âmes, n'est-ce pas? Donc, ben voilà, la souffrance physique, vous savez hein, que la souffrance physique dépend de notre mental. Hein, si nous ne sommes pas bien psychologiquement, ça se répercute sur, eh bien, sur notre physique. Donc voilà, très très joli message de la voix des âmes et je termine, n'est-ce pas, par la guérison des 5 blessures et aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé une carte humiliation. Je décide d'observer si je fais le tampon entre deux personnes que j'aime. Quand je me rends compte que je veux régler leurs problèmes de relation, je décide d'arrêter mon intervention en sachant que leur problème ne m'appartient pas. Je réalise de plus qu'en faisant le tampon, mon corps ressent le besoin de créer une autre couche de protection. Si je suis incapable de laisser les deux personnes s'occuper de leurs problèmes, je me donne le droit d'avoir peur pour le moment d'être une mauvaise personne si je ne les aide pas. Voilà le message de guérison des 5 blessures. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain. Et puis d'ici là, moi je vous embrasse. Portez-vous bien, à demain.